Salut, salut! Bon, mais jour numéro 6, je suis en pyjama, vous me connaissez, vous savez que je suis tout le temps en pyjama, le plus souvent possible, c'est dimanche, j'ai quand même fait l'effort de me maquiller, c'est déjà bien. Mais voilà, je suis en tenue bien, comme il faut, cocooning, je suis pas coiffée en plus. Donc, cadeau numéro 6, aujourd'hui, je vais lire la petite carte, c'est laquelle la mienne? Il y a tellement de cartes ici qu'on a tous fait un calendrier de l'avant cette année. Alors, un beau petit cadeau personnalisé. Alors, Tisane m'a dit, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que c'était un mignon petit cadeau. Donc, mignon petit cadeau. Oh, c'est... Ah non, j'allais dire c'est lourd, mais non, c'est parce que j'en ai pris deux. Par contre, elle a fait un papier cadeau. L'amour qui tue, elle. Attendez, comment je vais faire pour... C'est un cahier, ça, c'est un livre. C'est un cahier, ça. Personnalisé. Qu'est-ce que c'est ça? Elle sait que j'adore les livres, j'aime trop. Je pourrais avoir des cahiers dans toute la maison et dessiner partout. Pour une mère en or qui mérite plus que tout. Ah, c'est trop bien. Eh? Ah, mais elle a déjà rempli. Tu l'as rempli avec elle? Oh, c'est mignon. Elle a déjà tout rempli. Bon, je vais le lire tranquillement. Qui a écrit. Oh, je vais vous lire un petit exemple. Parce que tu es vraiment génial quand tu dors. T'es génial quand tu souris, quand tu danses, quand tu chantes et même quand tu fais le ménage. Génial. Ouais, mais je vais le lire tranquillement, c'est trop mignon. Merci maman, tu es la meilleure. Oh, merci. Je vais lâcher ma petite larme. Je vais pas lâcher ma petite larme. Je la ferai toute seule en privé. Bon, ben, on se retrouve demain du coup pour le cadeau numéro 8. Non, c'est non. Cadeau numéro 7. C'est lequel? Fais voir, c'est lequel? Je vais voir juste à quoi il ressemble. Ah, il est là. C'est une tasse, ça. Il est là, le cadeau numéro 7. Allez, à demain! Je fais un petit update. Franchement, si vous avez un cadeau à offrir à votre maman ou votre papa ou votre frère, votre soeur, n'importe qui, the best cadeau. Ah, je tiens l'envers. Je l'ai lu. J'ai lâché ma petite larmichette, j'ai rigolé, c'est trop mignon. Franchement, c'est trop mignon. Cadeau très très sentimental.